C'est parti. Oh, excusez-moi. Explosé partout. Faire attention aux explosions. Est-ce qu'on peut accélérer non-stop? Je pense que oui. Je pensais qu'au début, il y avait juste certains moments qu'il fallait accélérer, mais non. Ok, faut que j'appuie sur R1 quand il y a une... Ah merde, il y en a une rampe ici. Et hop dessus. Voilà. On dirait un vaisseau d'Eggman, quand même, j'avoue. Ça c'est son style de toute façon. Oh oh. On a toutes nos munitions au moins. Au, j'ai oublié de sauter là-dessus. Et là, j'avoue que... Qu'est-ce que j'utilisais en ce moment, c'était vraiment pas la meilleure chose, hein. Tu sais, à bombe à distorsion, quand on est vraiment à distance avec l'ennemi, c'est un petit peu plus difficile, hein. Donc vraiment, à date, c'est le côté de la difficulté, je pense, c'est juste vraiment en termes de... En termes de munitions qui nous crée le plus grand problème. Hein. Et pour le reste, ça se passe quand même assez bien, mais... Côté munitions, c'est là qu'on est un petit peu plus dans la merde. Ah oui, il va repartir. Il dit qu'on va en prendre un autre. Pouh! J'aime le fait qu'elle l'appelle Boulon. Clank s'appelle Clank, merci, tu peux l'appeler par son nom, hein. Oui, et en gros pour grimper sur son dos, c'est en sautant ici. Tadam. Ouf. J'aime le fait que les morques en ce moment sont en train de faire leur vie, hein. Semble pas trop déranger qu'un robot environ de 850 km qui est en train d'essayer de me tuer. Mais ça faut pas y dire, hein. Allez, let's go, le niveau 2 va faire un peu plus mal. On voit bien. Ça va, pas des masses, mais un petit peu plus, un petit peu plus. Ok. Non, non. Ouh, la petite esquive que j'ai faite. J'ai réussi à l'avoir. Ah, celle-ci, non. Ok, j'ai bientôt plus. Oh, niveau 5. Est-ce que. Pistolet mitraille. Je pense qu'on est rendu. Attends. Je pense qu'on est au max. Tout ça se peut. Waouh, on est au max. Ok, donc en gros, c'est niveau 5 pour être. Ouh, ça tire 3. Ouh. Juste devant, ça tire genre 3 balles. Ok, on va monter d'avoir d'autres armes. Vu qu'en gros, ben, je veux pas. Tu sais, comme dans tous les autres jeux, quand j'ai une arme qui est au max, j'ai pas envie de l'utiliser trop souvent parce que, en gros, ben, c'est l'XP que je perds sur les autres. Hein. Ouf. Éclaté. Est-ce que ça va, Boulon? Tu es venu me sauver? Merci. Ouais, après tout, on a encore une affaire à régler, toi et moi. Oh, on devrait aller voir si Mork a réparé le vaisseau. Mais j'espère qu'il a réparé le vaisseau entre temps, pendant que genre toute la planète est en train d'exploser, hein. J'suis un petit détail. Minime soit-il, petit détail. Que dirais-tu
d'un amplificateur de signal pour réparer ton communicateur. Ce serait merveilleux. Tu on peut le faire dans les heures. Ça, c'est nice quand même. Trouver dans cet info robot, mais ce sera pas mal. Je vais aller voir si dans le shop je peux aller faire quelque chose. Peut-être quelque chose de nouveau dans le shop. Tu l'as réparé? Merci beaucoup. Tu es prêt? Oui, absolument. Pixelisateur, c'est quoi? Les ennemis vaincus lâchent occasionnellement des nanotech. Nanotech, c'est de la vie. Ouais. J'ai pas le boosté plus. C'est quoi ici? Rayon de la mort. Touche davantage d'ennemis pour encore plus de dégâts. Attends, c'est... Attends, quoi? Les rayons touchent davantage d'ennemis pour encore plus de dégâts. Ok. Booste-moi ce bijou! Quoi? Monter ça. Augmente la durée d'un rayon entièrement chargé, puis chaque set se charge plus rapidement. Quand même pratique, on va faire quand même le tour au complet. C'est une de nos meilleures. Ce qui est quand même pratique, puis ça, on peut quand même. Ça, les éclairs explosent après un moment, infligeant ici des dégâts supplémentaires. Quand même, ça c'est pratique aussi. Donc on va augmenter ça, et on va augmenter ceci. Non, c'était pas là que je voulais l'augmenter. Pas extrêmement grave. Et là, ici, est-ce qu'il y avait d'autres choses? C'est quoi? Augmente la vitesse des projectiles. Ok, donc ça va juste plus rapidement quand que je tire. Pixelisant, on peut au pire l'augmenter. Je sais pas si j'en ai assez. Oui, pile exactement. Parfait, parfait. Et... Attends, est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans le shop? Quelque chose te plaît. Paratonneur, je sais que tu aurais de voir à quoi ressemblent les squelettes de tes ennemis. Enfin, s'ils en ont... Enfin, s'ils en ont un. Ouh! Qu'à dire ça quand même, s'ils en ont un. On va juste péter ça. Oups. Pas avec le tir que je voulais faire, mais c'est pas grave. Let's go dans le vaisseau. Faudrait qu'on répare le bras à un moment donné, hein, quand même. De quoi s'agit-il? Fantôme, Moidoy, Capitaine Quantum, Klatsky. Moi. Membre de la résistance, j'envoie la liste de cibles de l'empereur sur le réseau. En route, il faut réparer ce communicateur. On a une dimension à sauver avant que l'empereur nous trouve nous aussi. Ok, on peut choisir les planètes. Donc ça c'est cool. Cool, cool, cool. Je pensais que comme dès qu'on avait fait une planète, ben, c'était fini en tant que tel, puis qu'on passait à l'autre. Mais finalement, oui, on peut quand même choisir. Alors, j'avoue qu'en même temps, c'est logique, parce qu'on a quand même des endroits qu'il faut revenir par la suite pour trouver, par exemple, certains trucs et tout ça. Logique. Donc ça, on a tout fait. Full usine facultative. La résistance serait actuellement à l'œuvre dans l'usine proche du bazar. Pourquoi elle est là, hein? J'espère que Ratchet va bien. On va retourner sur cette planète, hein. Premier chargement qu'on a dans le jeu. Étonnant quand même qu'on a un premier chargement. Ah, et là, ok, c'est une planète avec Ratchet. Ok, il y a des planètes avec Ratchet et une planète avec... Ok. J'espère juste que le docteur Nefarious ne s'attendait pas à ce que je revienne aussi vite. J'avoue que c'est quand même assez drôle, hein, quand même, là-dessus. Fait que là, c'est ici que je vais pouvoir passer au travers. Et on... C'est juste ça que je voulais venir chercher, hein. Le pire, c'est que... Je pense que c'est littéralement juste ça que je venais chercher. Parce que pour le reste, je pense que j'en ai vraiment pas besoin en tant que tel. Ah, attends, ça dit fouille l'usine facultative. En gros, c'est par ici. Mais l'usine, attends, c'est par. Est-ce que je peux monter quelque part ici? Non. Ok, c'est au-dessus ici, je pense. Ok, ici? Allô? Baum, baum, baum. Fait qu'on monte ici. Ah, non, ça c'est le vaisseau. C'est pas ça que je veux. Je vais aller explorer l'usine. Attends, ils sont à une façon de monter dans l'usine où que je veux.
Ah, ici. Ici qu'on peut monter, voilà. Un robot espion de la résistance ? Ça pourrait me servir. Je devrais jeter un œil. Ah, si je pensais qu'on pouvait rentrer au travail, mais non. Non, donc ça veut dire que c'est par la gauche. Ah non, c'est l'usine par ici, je comprends. Ok, c'est moi qui étais juste un peu perdu, mais finalement j'ai trouvé. Voilà. Tu sais, quand t'essaies de trouver des emplacements, finalement il faut juste pas que tu te casses la tête. C'est exactement ce que j'étais en train de faire. Trop me casser la tête sur la tête, hein. Je sais pas si ça a du sens en tant que tel ce que je dis, mais à mes yeux, oui. On s'en fout, ils disent que genre quelqu'un de la résistance qui a été remarqué. Arrêtez, je fais rien de mal. Je vis ma vie de long bac, c'est tout. Éradiqué. Je dois vite trouver la plateforme de chargement. Là normalement il peut se poser avoir du son. T'as fait très silencieux, hein. Vous vous rendez compte, c'est là que comme quand il y a une musique qui part pas ou des trucs comme ça, c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment. C'est vraiment très très silencieux, hein. Je pense qu'il y a une musique qui s'est pas partie. Ah voilà. C'est quand même un peu mieux ici, hein. Ok, quelque chose de spécial. Oh, le Raritanium, merci. Elle apporte la plus grosse caisse. Merci. Vu qu'on embarque dessus, on va pouvoir se rendre probablement un petit peu plus loin. Non, 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 t'as pas besoin de parler à la sécurité. Faut arrêter de penser que genre faut tout le temps parler à la sécurité, faut tout le temps aller partout. Non, 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 il y a des choses qui sont quand même assez bien. On peut continuer de faire comme si de rien n'était. Ça, on peut aller ici pour aller chercher le boulon en or. Parfait. Et donc là, ça me sert à rien de retourner par là. On peut juste traverser ici. Voilà. Fixer l'usure, on va s'organiser rapidement. Hop, hop. Ce robot espion doit détenir des secrets de niveau Oméga au moins, si tout le monde lui court après. La production a augmenté de 200%. C'était pas la plus brillante idée, mais finalement ça s'est bien passé. Après, faut que je passe où? J'ai qu'un truc ici pour aller chercher du Raritanium. Je pense que c'est ici qu'on peut monter. Et aller récupérer le Raritanium qui est de ce côté-ci. Voilà. Ça au moins c'est cool, on peut le prendre des deux côtés. Je pensais que ça allait peut-être juste être un des deux côtés qu'on allait pouvoir le prendre. Mais non, finalement on peut vraiment profiter des deux façons. Merci. Pendant que tu me déranges. Ah ouais, il y avait un mur invisible. Les fameux murs invisibles. Ouais, je peux lancer mon truc. Oh merde, il y a un ennemi sur le train, j'ai même pas vu. Je peux pas monter non plus plus haut. Oui, j'adore les murs invisibles. On sait bien que je les aime beaucoup trop.
Ah merde, j'ai plus de munitions. On va prendre l'exécuteur. Hein. De temps en temps, en plus, c'est bien d'avoir certains murs invisibles parce que tu sais, ça t'empêche d'aller à certains endroits que tu sais que pertinemment faut pas que t'ailles. Mais de temps en temps, c'est frustrant parce que t'as envie d'explorer un peu plus loin, tu sais, dans le jeu. Et voir un peu qu'est-ce qui s'y cache, hein. C'est les heures qu'on va prendre. Surtout ceux au-dessus du vide, non, ceux au-dessus du vide, les murs invisibles, je les aime pas. Hein. Sinon, techniquement, le vide est un mur invisible. Celui qui t'apporte à ta mort. Cool, ce robot espion est à moi. Je pensais qu'il y avait une... Attends, est-ce que c'est moi qui est fou? Ouais, c'est moi qui est fou. Je suis certain que j'avais vu quelque chose au-dessus. Ouh, plan pour une arme secrète. Je sens le TELT ici. Mmh. Comme une odeur de TELT qui est dans l'air. Je pense que c'est exactement ça. Tu as trouvé un boulon en or. Chacun de tes boulons te donne accès à une récompense spéciale ou une triche. Oh, chacun. Applique une déco à la clé de Ratchet. Rebelle, force quark, désert, chewing-gum. Ça, c'est celle qui est en rose. Or. Ouh. Ok. Sinon, mettons un chewing-gum, c'est celle en rose. Allez, je vais prendre celle en or. Hein. Remplacement des boulons. Ah oui, quand même, remplace les boulons à ramasser par d'autres objets. En gros, ah, les rubis, c'est un easter egg. C'est genre des trucs de pièces, orbes, rubis, overcharge. On va quand même y aller avec des rubis. C'est quand même cool, c'est des mini-trucs... Que c'est ancré dans ta tête et tu sais pertinemment c'est quoi, genre tu sais que là c'est Zelda quoi. De nouveaux personnages rejoignent la galerie. Ok. Mettons si on y va avec l'info robot. Robot espion, tu trouves un robot espion de la résistance, chacun obtient des infos top secrètes que tu peux écouter. Il renferme également des données de recherche sur une arme, trouve-les tous sur Madame Zurkonde pour fabriquer cette arme ultime. Oui c'est le TLT. Hein. Qu'est-ce que c'est ici hein? Pas bien ça. Les voyages vers d'autres mondes sont strictement limités, tout comme les libertés civiles. Cependant, entre la colère, le désespoir et cette architecture hideuse, il y a du positif. C'est ici qu'est née la résistance. Ok, donc c'est en gros c'est des trucs par rapport directement à la ville ou des trucs comme ça qui sont pris en compte quoi. Ok. Avec les boulons en or, c'est chacun donne vraiment un truc de plus. Donc c'est vraiment de le prendre en considération. Non mais je peux parler à Madame Zurkon? C'est juste que j'étais pas en avant littéralement. Le ricochet c'était quand même intéressant, mais en même temps le paratonnerre, je suis curieux. Bah attendre un peu. Hein. On va retourner au vaisseau. Hein. Hop. On va pouvoir aller sur la troisième planète. Donc, champ de débris de Skartu. Trouve la pièce nécessaire pour réparer Clank. Rivet doit trouver un amplificateur de signal pour réparer le communicateur de Clank. Ok. Ça semble easy hein, quand même comme mission. Hein.